Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans ce nouveau journal à la une de ce mercredi 1er mars. Chaque année, c'est un événement et chaque année, nos Savoies sont représentées au Salon de l'agriculture à Paris. Les éleveurs savoyards présentent aux quelques 500 000 visiteurs attendus jusqu'au 5 mars leur savoir-faire montagnard. Et puis au stade Vélodrome, ce sont plus de 60 000 supporters attendus. Un millier venu d'Annecy, le grand soir est arrivé pour le FC qui affronte l'OM en quart de finale de la Coupe d'Europe. Nous rejoindrons Sébastien Germain sur place. Et puis en fin de journal, nous découvrirons une entreprise surprenante spécialisée dans les briquets de luxe. Vous l'avez peut-être vu en direct sur notre page Facebook ce mercredi, le 59e Salon international de l'agriculture de Paris a mis les Savoies à l'honneur en ce 1er mars. Une journée spéciale consacrée au savoir-faire et aux produits de nos départements. Emmanuel Jaudet, Paul Jeanbrun étaient au parc des expositions Porte de Versailles pour suivre ces éleveurs et ces animaux de chez nous. Regardez. Avec plus de 4000 animaux rassemblés en un même lieu, le Salon international de l'agriculture de Paris a cette année encore rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes autour du pastoralisme hexagonal. Mais si tous les coins de France sont bien entendu représentés, à l'instar de toutes les productions agricoles, ce sont les départements de Savoie et de Haute-Savoie qui ont ce mercredi drainé le plus de curieux. Il faut dire que nos éleveurs se sont déplacés en nombre pour représenter la filière, mais surtout les différentes races issues de notre territoire. Bah, c'est bien parce que pouvoir monter au Salon de l'agriculture, y a pas beaucoup de gens qui peuvent y arriver. Parce qu'il faut se faire remplacer, il faut avoir des jolies vaches pour pouvoir monter, vu qu'il y a peu de vaches, qu'il y a de la sélection. Donc c'est une fierté déjà de pouvoir monter jusqu'ici. On peut discuter avec plein de monde, un qu'on est en Bretagne, un qu'on est en Haute-Loire, à l'île de la France. En 5 minutes, on a parlé, on a fait le tour du monde, on peut dire. Discuter avec tout le monde. C'est ce que j'aime quand je vais ici. Parce que vu que je suis déjà venu, je connais. C'est ce qui est plaisant quand on vient ici. Un état d'esprit assez particulier, mais qui rassemble tous les professionnels du secteur. En effet, cette année, ils sont plus de 1400 éleveurs à s'être déplacés avec leurs plus belles bêtes. Une mobilisation qui va de pair avec celle des politiques qui sont également venus en nombre sur le salon. Pour se montrer, mais aussi, pour certains, afin de passer des messages. Le salon de l'agriculture, à chaque fois, tout le monde défile. Il y a des paroles qui sont très gentilles et puis il n'y a rien qui change. Dans notre région, j'ai multiplié par 3 le budget de l'agriculture pour qu'il y ait une cohérence entre ce que je souhaite que soit l'avenir de notre agriculture et les actes. Un pays comme l'Allemagne a défendu son agriculture. Un pays comme la Pologne l'a fait progresser de façon incroyable. Nous, soi-disant, on est dans un territoire et dans un pays qui s'est construit par l'agriculture. Et la réalité, c'est qu'on fait depuis des années des politiques qui sont exactement l'inverse et qui chaque année affaiblissent un peu plus notre agriculture. Entre les concours agricoles, les démonstrations et bien sûr les dégustations, ce rendez-vous d'une ampleur sans pareille reste toujours aujourd'hui le plus grand rassemblement de la filière agricole française. Une vitrine de premier choix pour tous les professionnels en quête de reconnaissance ou de mise en valeur de leur savoir-faire. En Haute-Savoie, le drame d'Allinge reste présent dans toutes les mémoires. La collision entre un train et un autocar de collégiens avait fait 7 morts et des dizaines de blessés le 2 juin 2008. 15 ans après, il reste des passages à niveau dangereux sur le territoire. Le numéro 49 à Ville-la-Grand en fait partie. Situé à côté d'un établissement scolaire, il va bientôt être sécurisé. Regardez. Plus d'un millier de personnes traversent chaque jour le passage à niveau 49 de Ville-la-Grand. Parmi elles, des écoliers, des collégiens et des lycéens de cet établissement privé. C'est simplement le passage à niveau le plus accidentogène de la région Rhône-Alpes. Il y a 1500 gamins qui le franchissent tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Et je m'étonne à titre personnel, pour avoir été un de ceux-là il y a bien longtemps, qu'il n'y ait jamais eu de pétard ici. Donc c'est un miracle permanent auquel on met un terme. Le département de la Haute-Savoie installe en effet ici une passerelle provisoire pour permettre aux enfants de ne plus avoir à traverser la voie ferrée pour aller prendre leur bus. Avant qu'on change les horaires, ben en fait les 800, 900, 1000 élèves s'entassaient là juste là. Et puis ils avaient une minute pour passer, à courir pour récupérer leur transport scolaire. Et donc vous imaginez bien le risque que ça pouvait induire. Alors ce n'était pas forcément parce qu'ils étaient indisciplinés, mais c'est parce que le risque, il était évident, quoi.
Un risque également pour les habitants du nord de la commune, obligés de traverser la voie pour rejoindre le centre-ville. La mairie réfléchit depuis de nombreuses années à la sécurisation de ce passage. Si sa suppression totale avec la création d'un souterrain pour tous les véhicules et les piétons était trop coûteuse, un souterrain pour les cycles et les piétons est à l'étude. Les études sont en cours, on est plutôt à l'horizon d'un retour des premières études cet été et qui vont vraiment ensuite donner le tempo, le calendrier pour la suite de l'ouvrage qui va être fait dans quelques années, on l'espère tous. La passerelle provisoire, donc, sera accessible dès la rentrée de septembre. Elle sera très probablement retirée lorsque le passage souterrain sera terminé. La précarité a augmenté de 26% en Haute-Savoie, selon les Restos du Cœur. L'association organise ce week-end sa grande campagne de collecte. Rendez-vous pendant 3 jours dans les supermarchés à partir de vendredi pour une collecte qui va donc être encore plus nécessaire cette année. Prenons à présent la direction de Marseille, puisque Sébastien Germain nous attend devant le stade Vélodrome. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Victoria, je suis à quelques mètres du mythique stade Vélodrome de Marseille, très précisément sur le parvis, juste derrière moi, le parvis où les supporters olympiens ont l'habitude de se rassembler avant chaque match. Le stade Vélodrome qui va donc être le théâtre de ce quart de finale de la Coupe de France entre l'Olympique de Marseille et le FC Annecy. Plus de 61 000 spectateurs sont prévus pour assister à cette rencontre qui paraît bien évidemment sur le papier très déséquilibrée entre le deuxième de Ligue 1, 10 fois vainqueur de l'épreuve, et aux Savoyards du FC Annecy. Je rappelle que les deux équipes restent chacune sur un gros revers, donc on devrait assister à un match débridé. On voit du monde derrière toi, Sébastien, l'ambiance qui monte, et c'est un jour historique pour le FCA. Oui, exactement. C'est vraiment le mot historique, puisqu'il s'agit tout simplement de la première participation du FC Annecy en quart de finale de la Coupe de France. Les hommes de Laurent Guyot, que l'on a rencontré cette semaine à l'entraînement, ont préparé avec beaucoup de sérieux cette rencontre qui pourrait les faire basculer tout simplement dans une nouvelle ère en cas d'exploit et donc de qualification. J'ajoute que 1000 supporters annéciens seront présents dans les tribunes du stade Vélodrome, puisque différents quarts sont partis d'Annecy vers 13h30 cet après-midi. Merci beaucoup Sébastien et bon match. Merci à toi Victoria. Et évidemment, nous reviendrons sur ce choc dans notre édition de ce jeudi. C'est l'une des maisons les plus réputées des Alpes, la société Estée Dupont, spécialisée dans la conception d'objets de luxe, comme son fameux briquet, a ouvert les portes de sa manufacture basée à Faverges à notre journaliste Luc Arruche. Il a ainsi découvert les nombreux secrets et les anecdotes de cette entreprise vieille de 150 ans. Reportage. Quel est le point commun entre la reine Elisabeth, Picasso ou encore Marilyn Monroe? Ils ont tous possédé à un moment donné un objet fabriqué par la manufacture Estée Dupont. Et vous ne le savez peut-être pas, mais son usine se trouve à Faverges, au pied des montagnes. C'est ici que Simon Tissot Dupont, le fondateur de la marque, y installa en 1923 son usine. Et un siècle plus tard, elle est toujours là. De la matière première jusqu'au produit fini, tout est fabriqué dans cette manufacture spécialisée dans la conception d'objets de luxe. La maison Estée Dupont a d'ailleurs fait sa renommée grâce à son iconique briquet à essence. L'objet aujourd'hui, encore maintenant, malgré toutes les lois anti-fumeurs, reste le produit phare de la marque, le produit emblématique, avec sa signature visuelle, tant par sa forme que par son décor, et par ses signatures aussi sonores, avec le bruit caractéristique qu'il fait à l'ouverture. Donc oui, ce briquet aujourd'hui encore reste le produit phare de notre marque, même si par ailleurs les autres produits fonctionnent très très bien aussi, notamment la maroquinerie et les stylos et le reste des accessoires. Dans les différentes allées de l'usine se mélangent les hommes et les machines, à l'image de ce robot flambant neuf. Auparavant, avec les anciennes machines, nous avions besoin de 2 mois et demi pour sortir un premier corps de briquet depuis les matières premières. Sur une machine comme ça, aujourd'hui, en moins d'une heure, on a sorti notre première pièce finie. Donc, ces machines, nous les avons investies au fur et à mesure des besoins. Et une telle machine coûte à peu près aujourd'hui 900 000 euros. La sixième est en commande et arrivera dans 3 mois. Certaines étapes comme le laquage, la peinture ou encore le contrôle qualité
nécessite encore le geste manuel. Ici, pas moins de 15 savoir-faire sont maîtrisés par les différents ouvriers. Ils ont notamment mis leur expertise en commun pour fabriquer cette pièce de haute création, un briquet casino à complications horlogères vendu 45 000 euros. Pour ce genre de pièces d'art, la demande est croissante. De quoi assurer à la manufacture un avenir tout feu tout flamme. Et nous voilà déjà arrivés à la fin de ce journal. Merci d'avoir été au rendez-vous. Vous connaissez la suite. Après la météo de Thierry Paulme, place à l'aparté de la rédac. Votre émission est consacrée ce soir à une autre entreprise, l'entreprise savoyarde TDS. Je vous retrouve ce jeudi à 18h pour un nouveau point complet sur l'actualité. D'ici là, prenez bien soin de vous et passez une belle soirée.